Et coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis en train de finaliser la petite préparation. Ah, j'ai pas mon élastique. Il est où? Eh ben, ça m'a fait du bien hier. On était samedi, de pas tourner, de pas faire de montage, de me poser. Du coup, j'en ai profité pour faire du tri, du rangement et me poser tout simplement. Ce petit break était nécessaire. Je dis pas que ça sera ça tous les samedis, mais là, c'est arrivé au bon moment. Ce que j'aime, ce qui me va, on va dire, c'est de donner du volume au niveau de, bah, du haut de ma tête, voilà. Et pendant que j'étais en train de me préparer, eh bien, il y a mon Jackie qui faisait son petit dodo. Tu dors vraiment ou tu fais semblant ? Très jolie babine. Je suis pas certaine de vous avoir dit, mais j'ai reçu une nouvelle carte cadeau. Fifi, ça faisait un petit moment. Et comme le dimanche s'est ouvert depuis peu, bah, je vais en profiter, je vais aller voir un petit peu. Je sais pas si je vais vous faire une vidéo dédiée, donc un haul, ou si je vais l'incorporer à ce vlog, vous montrant mes petits achats juste après, je verrai. Là, il est 1h. Il est 1h moins un quart. On a bien déjeuné, mais soit je vais préparer, soit je vais voir si je vais pas aller chercher un petit truc rapidos. Je vais aller chercher du traiteur à emporter. Ouais, je trouve que c'est sympa pour le dimanche. C'est ouvert, enfin ça ferme à 14h, il est 1h. Ouais, c'est cool. Tu veux un truc en particulier? Oui, je sais ce que tu dois faire. D'accord, je sais ce que je dois faire. Bonjour, vous allez bien? Oui. Comme je me suis régalée la dernière fois, je reviens. Mais je ne vois pas les petits samoussas aux légumes. Les samoussas légumes? Vous en avez? Ça c'est bon, mais trop épicé. C'était vraiment très très bon, mais j'en peux plus. Il est 14h passé, direction Jiffy. Ça sera fait et il commence à faire beau. Ça se lève un peu, ça c'est bien. Comme je vous avais dit, bah là, je vais chez Jiffy et je suis tombée en faisant une montée sur un connard, il n'y a pas d'autre mot, hein, qui est passé mais à fond la caisse en bagnole face à moi, mais à fond, mais j'ai vraiment flippé. Et les gars, le gars, il se remet même pas en question, limite, il s'arrête pas, mais il te regarde genre, il y a un problème. Ouais, il y a un problème, mais c'est n'importe quoi, ça me met dans des états de nerfs. Je sais que c'est pas bien, mais dans ces moments-là, t'as vraiment envie que le gars, il se fasse arrêter, quoi. Il se fasse arrêter, clairement. C'est un danger public. Il y avait des piétons à côté, mais... Et c'est ça, c'est le côté, en plus, je suis le roi de la route et bah, je vous emmerde, clairement. Bah non, en fait, c'est pas grave. Je vais chez Jiffy. Mais il est trop mignon. Bonjour. Je suis chez Jardiland parce qu'il me fallait des petites croquettes pour Baby Chuck avant de passer chez Jiffy. Vous l'aurez deviné, je suis à Jiffy. C'est fou, hein, t'as vraiment pas l'impression d'être dimanche. Ils sont drôles ces petites corbeilles. Je suis rentrée, je vous explique, c'était un gros fail. Jiffy, j'ai rien trouvé, il n'y avait pas d'arrivage, pas de nouveauté. Ça sert à rien que j'utilise mon bon pour perdre le reste. J'ai juste pris à côté les croquettes, je suis rentrée et là, Eric me propose d'aller quelque part où je ne sais pas lui-même. Tu sais toi? Non, il sait pas. Et bon, bah, j'y vais. Vous savez où il est parti? Il est parti devant le kiosque un petit peu, la presse, là où ça nous indique un petit peu les sorties à faire le dimanche. Et il regarde. J'ai pas l'impression qu'il ait trouvé un truc. Il a pas l'air super content de lui. Je ne sais pas où je vais atterrir cette fois-ci. En même temps, c'est un côté cool aussi. T'avais pas l'air satisfait? Non, mais je le suis pas, là, ouais. T'as pas trouvé? Pas trop, non. Mais on part à l'aventure. Oui, mais attends, parce que... Quoi? Bouge pas, je ne regarde rien. Le 28 avril, ça fait une date un petit peu passée. Bon, on est parti. Allez, go. Je suis dérégué. Alors, nous sommes dans un petit village, ça s'appelle Montigny-le-Ganelon, Eure-et-Loir. Oui donc,
Il s'agit d'un vide-grenier. Oui. À ne pas confondre avec une brocante. C'est vrai. Pourquoi ? Parce que le vide-grenier, c'est ce qui est chez toi. Voilà. Tu fais les, et le, la brocante. Alors, c'est... le vide-grenier, c'est ouvert aux particuliers. C'est les particuliers fait. Du village qui vident leur grenier. Alors que la brocante, c'est des brocanteurs. Ce qui n'a rien à voir. Des professionnels. Exactement. Regardez juste le château de Montigny-de-Gadelon. Donc apparemment, c'est là-haut ? Oui. Tu sais que j'ai jamais été ici. Tu déconnes ? Non, bah en voiture je passe, mais je me suis jamais arrêtée, vraiment quoi. Tu déconnes ? Non, je déconne pas. Tu déconnes ? Tu le sens au niveau des fesses. Wow. Oh, on est vraiment des branquignoles. Regarde cette vue quand même. Comme ça là. Impressionnant. Ouais. Je suis un peu plus. Alors, ça décrase hein. Ouais, on est au camp de base, hein, j'ai envie de dire. Ouh. Le camp où on s'arrête quelques jours de façon à... Il est marqué 10% la pente, enfin la côte. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a 10% des gens qui arriveront. Ouais, c'est ça. Ouh. Bon, allez, on a fait le plus dur, chérie. Là, je commence à être chaud, là. C'est-à-dire qu'au début, t'as envie de chialer. Puis une fois que t'as bien pleuré, et que t'as plus de dignité, quoi. Bah tu reprends. Le château de Montigny, donc c'est l'entrée de ce que je vous ai montré en contrebas tout à l'heure. Et ce qui est plaisant, ce qu'on se disait avec Eric, c'est ce calme. Bon alors certes, il y a des gens qui vendent des choses, donc ça fait de l'animation, mais c'est très 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 paisible. Bon, là on voit pas grand chose à part que c'est très très bien entretenu. Je crois que la dame elle est en souffrance là. Alors en face. Ouais, mais l'idée de mettre une mini-jupe avec des talons quand tu vas monter. Ah bon. Où ça ? Ah oui, oui, en exact. En face, c'est un artiste. Mais clairement. Qui habite. Et le long du Loir, à chaque fois, pour les gens qui remontent le Loir dans une embarcation ou ceux qui sont à pied sur les sentiers qui longent les étangs. Ils ont vu sur les jardins. Ils ont vu sur les jardins et à chaque fois, il met une œuvre différente de façon à renouveler l'intérêt de la promenade. Ouais, bien sûr, c'est chouette. Ah ouais, donc là c'est ce qu'on voyait avec les jardins. Et là, tu peux prendre l'apéro sur tes rondins. Comme j'avais envie d'une glace, on va tester ces crêperies salon de thé. Vous savez, on était venu ici manger une crêpe d'ailleurs avec mon amie Marie-Jo. On va tester, voir si... Parce qu'il est quand même 4h30, 5h. Merci. Alors, moi, j'ai pris une glace. Bah, c'est chocolat, vanille, chantilly. Ça a l'air trop bon. Et toi, t'as pris... Ah bah, chocolat liégeois. Ah, oh, ça va au niveau de la chantilly. Non, mais alors, si c'est pour faire de la réflexion sur les glaces, non, tu ne veux pas. Tu les laisses tranquilles. Oh, on est rentré. En fait, depuis un moment, il est 8h. Je suis arrivée direct et je me suis mise à faire le montage pour m'avancer de mon vlog. Salut Poussin. Le miroir qui est là-bas, je vais le laisser parce que je le trouve très bien ici. Et ben évidemment, il va m'en falloir un autre dans l'autre pièce. J'ai trouvé le deuxième miroir de mes rêves chez Maison du Monde. Le problème, c'est le genre d'article perso, enfin moi que j'aime bien voir avant parce qu'on sait jamais, il peut y avoir des défauts, genre le miroir est grossi ou alors il a minci. Et c'est vrai que j'ai regardé, c'est pas en stock dans les Maisons du Monde et une cinquantaine de kilomètres de chez moi, c'est plus en stock. Et il y a eu aussi, c'est vrai que j'entends parfois des gens qui commandent, qui se font livrer des choses un petit peu fragiles à la base de chez Maisons du Monde. Et ça arrive assez souvent que ce soit cassé, bréché. Donc je sais pas, en plus ça a quand même un coût. Je vais encore réfléchir. Vous entendez ? C'est Eric qui est en train de travailler sur le deuxième titre, il fait de la guitare. Alors pour moi ce soir, ça va être le rouleau de printemps que j'ai pas mangé, ça va être parfait et c'est tout. Si, des petits fruits. Je vais me faire... Qu'est-ce qu'il fait là ? Je vais me faire mes petits fruits surgelés. Voilà. Et papa, il lui reste un petit reste de pizza. Ça te plaît ? Bah t'as pas entendu le son ? Bah oui, un petit peu quand même. Et ça fait prompt ou pas ? Ouais, c'est bien, franchement, ouais. Et là, c'est peur de toi ? Ouais. Ok.
Là, qu'est-ce que t'en penses ? Bah, c'est pas mal, hein. T'es bien là. Enfin, le plus important, c'est que toi, tu sois bien. Là. Il te manque pas un truc ? Là, il me faut te rappeler le meuble. Eh ben, ce qu'on a dit. Un peu plus large. Ouais. C'est ça, mon petit rouleau de printemps. Toi, tu te fais les restes de pizza, ça va, hein ? Ah oui, c'est vrai. Il y a les Chinois aussi. Mais j'aime bien. Bah, t'es en train de le manger, toi. Oui, mais je savais plus s'il restait beaucoup. J'aime bien manger les Chinois. Eh ben oui. Vous l'aurez compris, on va se faire le dimanche. C'est vrai qu'on aime bien. On va regarder un film du dimanche soir. Je sais plus ce que c'est un petit peu Maison Blanche, thriller. Et bah, je vais clôturer maintenant. À moins que je... Non, non, je clôture maintenant, je préfère. Je vous fais un gros bisou, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. Je vous invite à liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas fait. Et bah, je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Salut.